Prie vite. T'es quoi ces nouvelles fourches là? C'est la calotte, un truc de finnois, t'as encore. Moi de... Le bras. Merci, vous avez votre dossier? Alors, le dossier, c'est photo d'identité et avis d'été. Et si c'est un suicide, il me faut les avis d'essai de décès. Les avis d'essai de décès. Les avis d'essai de décès. Oui, ben, zut, si vous croyez que c'est facile de parler avec une langue en forme de fourche. Alors, les avis d'essai de décès, c'est toutes les fois que vous avez essayé, vous n'avez pas réussi. C'est pas un suicide? Ah bon, c'est pas grave. Elle ne meurt qu'une seule fois. Enfin, à part Jacques Tirac qui fait d'aller-retour en ce moment, mais... Non, il est pas mort, mais enfin... Il a déjà appelé l'ascenseur, hein, vous savez. Mais vous avez pris votre teckel? Enfin, monsieur, on prend pas les animaux en enfer, enfin. Ben non, ben on n'a pas la place. Mais vous vous rendez compte, on déprend tous les animaux de la création, mais vous vous rendez... Rien que les huîtres. Mais avec tout ce qu'on bouffe à Noël, vous vous rendez compte, l'enfer, c'est les huîtres. Il y aura des huîtres partout, comme ça, des huîtres partout de vue, des cent huîtres, comme ça, des montagnes d'huîtres, des torrents d'huîtres, comme ça, on se volait sous les yeux, il y aura des huîtres. Vous allez, bon, on peut pas. Alors, monsieur, votre nom? Oui, votre prénom? Oui, votre âge? Ah, il était temps. D'effet. Diarrhée osmotique. Vous, on peut dire que vous avez laissé une trace sur terre. Je comprends votre désarroi, madame. Mais bien sûr, mais personne ne vous a prévenu. Il y a un manque de communication avec la terre. Mais personne ne vous a prévenu qu'il fallait profiter de la vie. Bon, bien sûr, il y en a beaucoup qui l'ont deviné. Mais attendez, là, sur des guignols qui vont à la messe tous les dimanches, comme ça, à prier. Pire! Il y en a qui se battent, qui meurent pour la religion. Mais qui sont cons, mais s'ils t'avaient. Mais pendant ce temps, Dieu, Bouddha, Mahomet et compagnie, ils te font des belotes, ils te font des barbecues tous les dimanches et ils te foutent de leur gueule. Ils leur balancent des noisettes, t'as fait des Ferrero Rocher. Règle numéro 2. Caressez-nous. Oh oui, caressez-nous. Dans le sens du poil. Faites-nous un compliment sur notre physique. Et ce, même si vous n'aimez pas l'art abstrait. Oups. Oui, exemple. Verre à moitié vide? Non, à moitié plein. Mi molle? Non, mi dur. À gorge déployée. Règle numéro 5. Et sans doute la plus importante, messieurs. Oh. Il faut avoir une énorme... Et j'insiste sur ce point. Une énorme... capacité d'écoute. Laissez-la parler. Elle finira bien par avoir la bouche pleine. Numéro 6. Surtout, ne la brusquez pas. Oh. Une femme qui sort d'une longue relation a tendance à remettre en cause sa vision du couple, de l'amour, et va parfois même se poser des questions existentielles. Qui suis-je? Qui serais-je? Qui tu serais-je? Bref, soyez patient, cela peut prendre du temps. Aussi. Ça vient. Achou! Sexuel contemporain. Non, nous ne simulons pas. Nous vous encourageons. Plus vite, plus fort, encore plus fort, j'ai dit. Aussi, je tenais à rassurer tous les
les hommes présents ici ce soir. Ce n'est pas la taille qui compte. C'est le goût. Dans le classement des prénoms masculins, Thierry s'arrive à la 890e place. 890e. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a avant ? Avant Thierry, il y a des José, Angel, Pipin. Vous, monsieur Parmes, vous appelez comment ? Toumani. Il y a des chances que ce soit après Thierry. Thierry, ça passe pas dans toutes les phrases. Par exemple, on imagine difficilement une fille dire « Fais-moi l'amour, Thierry. » Comment tu peux appeler ton fils Thierry, bordel ? Thierry, en verlan, ça fait rillette. Si avec ça, mon nom complet, c'est Thierry Renaud. La malédiction des doubles prénoms, comme Guy Georges, Émile Louis, Patrick Sébastien. Je rentre dans la légende. Et d'ailleurs, je ne comprends pas cette mode des futurs parents qui disent « Bien sûr, nous avons trouvé le prénom de notre enfant, mais nous ne te le dirons pas. Nos goûts sont indiscutables. » Alors, s'il y a des parents ce soir dans la salle, dites le prénom ! Évitons à des enfants de s'appeler Jean-Brian, Thierry, ou même Merdive. Merdive, c'est un vrai prénom. Ni Merde, ni Endive. Mais un peu loin. Parce que d'accord, tu ne peux pas appeler ton enfant Lucifer ni Anal. Mais tu ne peux pas non plus donner comme prénom un signe de ponctuation. Et c'est dommage. Qui n'a jamais rêvé de s'appeler Point ? Autre règle, les prénoms de plus de 100 lettres sont interdits. 100 lettres. Alors, deux conclusions. La première, c'est que les parents ont essayé. Voilà. Bravo à eux. La deuxième, c'est que 99 lettres, ça passe. Vous pouvez tous les beaux prénoms. Peut-être que c'est ça la solution pour avoir une enfance heureuse, c'est d'avoir un prénom de 99 lettres. Peut-être que j'aurais été beaucoup plus heureux si je m'étais appelé en tout attaché. De toute façon, ce n'est pas le nom qui fait la renommée, alors je suis très fier de m'appeler Thierry Renaud. C'est ça le problème. Avec mon prénom, voilà, vous pouvez me dire, utilise ton second prénom. Mon second prénom, c'est Clovis. Alors là, on est même plus dans les années 65, on est carrément dans le Moyen-Âge. Quand j'ai demandé à mes parents pourquoi ils m'avaient donné Clovis comme second prénom, ils m'ont répondu, hop, pour rigoler. Alors voilà, vous voyez, le seul secret dans toute cette histoire, c'est 99 lettres, c'est le bonheur. Merci.